Ici, regarde, t'as toute la vue, la superficie, les trois chambres à l'étage, t'as un bureau. C'est convivial. Il faut que la personne l'admire. Aussi, dans les escaliers, c'est pas juste les composantes, la dimension. Quand tu vas monter tes meubles là, ouverts comme ça, c'est beaucoup plus facile. Mmh. Fait qu'il faut que tu expliques à la personne les avantages, qu'il se voit déménager. Puis quand tu lui parles de déménagement aussi, il se voit déjà en train de déménager. OK? Tu regardes aussi l'usure, wear and tear dans une maison. Comme tu vois ici, avec, malgré le calibre de la maison, qui est quand même très haut calibre, il n'y a pas de wear and tear. Pourquoi? C'est une personne. Il y a très peu de va-et-vient. Seule, deux personnes, trois personnes des fois. Fait que tes planchers ne sont pas maganés, il n'y a pas d'animaux. Tout ça, c'est une plus-value. C'est ce qui fait la différence. Puis, elle n'a pas lésiné dans les fixtures, le luminaire. Ça, c'est un point que le monde néglige. La salle de bain, la douche. Tu regardes ta fenestration, la hauteur. Tout. Super propre. C'est des petites choses qui font la différence. Puis, tu regardes les finitions dans une salle de bain. Mm-hmm. Au fond, là, je suis mieux d'avoir quelque chose dans une propriété qui est à faire que d'avoir quelque chose qui a été fait, mais qui est mal fait.